Salut à tous, c'est Macon Herminou. On se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode du TCGO. Alors, je crois que dans un dernier épisode, j'avais dit que j'allais utiliser le deck combat que je venais de créer. Donc, ce deck combat s'appelle... Il s'appelle La Claque de Maçon. Donc voilà, un titre un petit peu bizarre, je savais pas quoi donner. Pour ce qui est des cartes, alors en fait ça se joue... Il est un petit peu bordélique ce deck, il est même vraiment bordélique. J'avais pas énormément de super cartes. J'ai eu une carte récemment, donc c'est ce petit Maconeur EX qui m'a été échangé par Brady Bloom. Brady Bloom, big up à toi. Donc c'est une belle carte, elle me sert bien. J'adore Maconeur. Hein. Maconeur, c'est Maconeur. Donc je l'ai ici. Je l'utilise aussi dans ce set d'Evo, puisqu'il a eu un talent super sympa. Feuille combative, 20 dégâts en plus pour tous les Pokémon combat. Je n'ai que du Pokémon combat. Donc voilà, c'est vraiment le deck combat de base, à savoir on tape le plus fort possible, le plus vite possible pour défoncer l'adversaire en fait. Donc du coup on a les 20 bonus du Maconeur EX que du Maconeur pas EX que je sors avec. J'essaie de sortir le plus vite possible avec mes super bonbons, mes évolus soda. J'ai aussi pas mal de... Je vais un peu n'importe où. J'ai pas mal de bandeaux, vous voyez, d'objets pour faire des dégâts. Après, le reste, c'est de la pioche, de la défausse. La base. De quoi choper des bourrins. Donc la masse ball. Hein, avec 3 étoiles de retrait. Et pour les énergies, donc pareil, pour taper des énergies spéciales combat. Qui rajoute 20 dégâts en plus. Alors, je le joue pas souvent ce deck, je l'ai joué principalement parce que j'avais un défi quotidien où il fallait que j'envoie masse dégâts en très peu de temps. Donc, voilà, je me suis mis là-dessus. On va essayer de le jouer, mais j'ai pas vraiment de chance jusque-là avec ça. On va espérer que ce soit un peu mieux aujourd'hui. On a aussi pas mal de boosters, on fera à la fin, comme d'hab, petite ouverture de boosters. J'ai quelques coffres qui traînent aussi. Bon, un déco. J'ai pas de roche, hein, je crois. Donc, si j'ai peut-être le... Non, j'ai pas de roche. Donc, ça devrait jouer. Alors, décide de lancer cette pièce. Vas-y, gros. J'ai perdu, comme d'hab. Bon, j'espère qu'il jouera en premier. Cool. Je sais pas pourquoi ils veulent toujours jouer en premier, les gens. T'attaques pas, ça sert à rien. Alors, pour ce qui est de la main, c'est pas GG. Bon, j'ai le Regirock. Ouais, allez, on va quand même essayer de jouer quelque chose avec ça. Comment je vais faire ça? Le ballon explosif. Bon, le fameux Stracy qui va bien avec le talent qui bloque les Pokémon EX. C'est vraiment des fois ça me sort de ces situations, mais c'est un truc de fou. Lui, on va commencer. Bon allez, on va le ralentir un petit peu, il a personne sur son banc. Donc pour l'instant, si on lui bute sa bestiole, on devrait être bien barré quoi. J'ai pas de bandeau, je vais lui mettre ça. Donc ça le fera pas attaquer, je pense qu'il aura peur. Je vais mettre une énergie combat, je mets pas la spéciale tout de suite parce que je veux pas le pousser à la défausse. Et puis bah là il faut défausser donc je dis non. Voilà voilà. On le voit de plus en plus, hein, ce crapustule. Mais je suis vraiment pas fan, hein, non mais dès que... Oh, je ne le mets pas, je... Enfin si, je l'ai en EX, mais je ne l'aime pas du tout. Voilà. Il fallait le tenter. Là, pour l'instant, je peux rien faire, donc je charge mon Stracy. J'ai pas chargé le Regirock parce que voilà, je le sens mal. S'il a encore un Evolu Soda, il peut me faire chier. Alors le Articodin, chiant. Je vous le montre, mais il est chiant. Là, il va le charger tout doucement sur son banc et puis bah une fois qu'il sera à bloc, et ben il va être chiant. J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un petit talent plan 4 là. On en apprend tous les jours. Bon,
Il se déconfuse quand, lui? Ouais, allez, je le cherche quand même. J'aurais peut-être dû tout en tenter, au lieu de mettre Astracy, j'aurais peut-être dû mettre la combat spéciale. Allez. Au prochain tour, il va vraiment cogner lui, hein. Et c'est pas un EX, donc je peux pas le bloquer avec Astracy. Ça va servir strictement à rien. Donc là, si vous voulez, ça va se jouer à la chance. Donc si c'est un face, on est bon. Si c'est un pile, on n'est pas bon du tout. Voilà, donc on n'est pas bon du tout. Voilà. Quand je vous dis que j'ai pas la chance avec moi, c'est vraiment pas des conneries. Et puis il ressort un set de petites tritondes. Bah, il a pas attaqué. Pourquoi il a pas attaqué? On va voir ce qu'on peut choper. Je vais essayer de choper un EX. Je vais voir qu'est-ce qu'on a de dispo. Le Groudon est un peu trop long à charger, mais il fait mal. Le problème, c'est qu'il est trop long. 4 tours, c'est beaucoup trop. Ça, c'est chaud aussi. On va prendre Groudon quand même, hein, c'est la valeur sûre. Allez, on reprit. S'il vous plaît. Oh putain, mais j'ai vraiment pas le chat. Et je suis sûr qu'il a fait exprès pour m'humilier. Il s'est dit ça sert à rien que je... Ah bah non, en fait, je suis con, je lui ai niqué une énergie. Il pouvait pas attaquer de toute façon. J'avais même pas fait ça. J'avais même pas... N'importe quoi, moi. Ah oui, je parle un petit peu. Je suis désolé, je parle un petit peu doucement. La journée a été très très longue. Donc je suis un petit peu crevé. Ok, ça calme. Ça calme bien. Et là, je peux rien faire. Cette partie, je vous cache pas qu'elle pue un peu du cul quand même. Allez, faites que je pioche quand même une bonne carte, s'il vous plaît. Au moins de l'énergie, quoi. Bon, là, on va attendre, mais... Ça craint du boudin. A savoir que la vidéo, elle sortira, là, je vais la publier dans la foulée. Elle sera publiée un peu tard. J'ai eu beaucoup de soucis. Ça m'énerve, là, j'ai des soucis de connexion non-stop. Et le problème, c'est que TCGO, bah... Si t'as pas une connexion, quand même, qui tient un minimum la route, eh ben... T'es bien HS. Donc en fait j'enregistrais et à chaque fois mes parties, mon compte se déconnectait. C'était une horreur. J'ai mis une heure au moins à régler le problème. J'ai dû me foutre en... Enfin bref, je vais pas vous expliquer le bordel, mais sacrée histoire quand même. Bon là je pense qu'on peut dire que je suis cuit. Bon je vais pas abandonner parce qu'on est en vidéo. Mais en temps normal une partie comme ça... J'attends la prochaine pioche et... J'abandonne, là, je peux rien faire. Gagner un petit peu de temps. Voilà, là, il va me fumer mon cogneur. Et il aura ses deux dernières récompenses. Allez, je vais lui laisser le plaisir de me fumer. Ouais, j'abandonne parfois en solo parce que... Voilà, comme ça on enchaîne, je fais le plus de parties possible pour avancer dans la frise. Encore une fois, là j'ai pas beaucoup avancé dans la frise, je suis à peu près au même point que le mois dernier, enfin que les trois dernières semaines.
Voilà, avec les vidéos, j'ai sorti quand même quelques vidéos, quelques montages qui m'ont pris pas mal de temps. J'ai eu toujours ces soucis de connexion. Donc je pouvais pas y jouer. J'y jouais tous les jours, mais vraiment une ou deux parties. Et puis il y a eu ce fameux Pokémon Go qui pousse les gens à sortir dehors. Mais c'est quoi ce bordel? On peut pas rester enfermé chez soi comme des gens normaux. Je peux rien faire. Et oui, donc comme je l'ai dit, enfin en regardant la vidéo là que j'ai postée, mon bilan de juillet 2016, que la dernière vidéo que j'ai sortie, je me suis rendu compte qu'en fait je parlais pas tellement que ça de Pokémon Go, mais oui, je vais faire des vidéos dessus, ne vous inquiétez pas. Je cherche juste la trame, comment on les faire. Allez, on va lancer une petite partie vite fait. Vous voyez, sur la frise, je suis pas bien loin, j'aimerais juste choper les trois boosters. Je suis tellement à l'ouest, j'ai même pas regardé le type. Ça va être la surprise. Dylan 090509. Super. J'ai toujours pas gagné, donc j'ai toujours la guigne. Ça me ferait chier de faire une vidéo où je gagne aucune partie, hein, donc voilà, ça commence très bien. Allez, sois pas lent, gros, joue. J'ai réfléchi dans ma dernière vidéo, là je vous ai parlé que j'aimerais faire les prochaines vidéos TCGO en live. Quand je le ferai, j'ai une petite idée là. Je pense qu'en fait je vais faire des. Je vais lister tous mes decks. Et je vais faire genre un lancer de dés ou je sais pas quoi. Et en fait pour avoir un deck aléatoire. Si jamais je joue contre vous ou d'autres. Comme ça, voilà, ce sera jamais le même deck. Quitte parfois même à jouer avec des decks de base. Ou en faire des tournois. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais je pense que ce serait intéressant de tourner un petit peu les decks. D'ailleurs, si vous avez des petites idées sur comment vous voulez le live, hein, est-ce que vous voulez un jour fixe dans la semaine? Est-ce qu'il y a un horaire que vous préférez? Est-ce que vous voulez voir certaines choses dans le live? N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Et toi, n'hésite pas à jouer. Alors, et nous pourquoi? C'est quoi un pire avec? Ok, cyclone, la daube. Obali, de la daube. Pour l'instant. Ah là là. Je suis pas chanceux. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir un set de Lucario là-dedans. Ouais, Lucario, c'est pas mal. En tout cas les Lucario EX et Mega Lucario EX, ils me font mal, hein. Moi ils me font très mal. J'ai eu 2-3 parties où j'ai vraiment saigné. Et puis vu que je n'ouvre plus les boosters au fur et à mesure, j'ai pas de nouvelles cartes. Donc là j'attends beaucoup de l'ouverture de fin de vidéo. J'espère vraiment choper des cartes intéressantes. A savoir aussi que donc c'est le 3 août la prochaine extension de cartes. Et l'argent que je mets de côté commence à bien s'entasser, quoi, donc il y aura une belle ouverture à mon avis. Il est lent le monsieur. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai changé mes lunettes sur l'avatar. C'est plus classe. Ok. Bon, il a pas chargé l'Obali, c'est qu'il l'envoie sûrement au casse-pipe. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais quand même charger ça. Je vais me chercher une bestiole. Papapam, un IX hein, sûrement, le Groudon. Donc oui, j'ai deux Groudons, et les deux Groudons IX en fait, bah c'est ceux que j'ai chopé de la frise.
de ces 3 semaines. Le Macogneur. Allez hop, le Groudon. Et j'ai pas encore une seule fois utilisé de Rhinastock. J'ai deux Rhinastock différents. Et généralement, toutes les parties que je fais, je le joue quasiment qu'avec du Rhinocorn, Rhinophéros, Rhinastock. T'as d'ailleurs ce matin, j'avais laissé Pokémon Go parce que, enfin en route sur mon portable parce que j'avais un 9-10 à éclore. J'ai eu, entre parenthèses, un super Magmar, plus de 600. Alors 600 c'est pas beaucoup de PC, mais je suis pas très haut en niveau. Donc on va rien faire là. Et je sors que mon portable vibre et il y a un Pokémon qui pop. Je regarde vite fait, discretos au boulot parce que c'est un petit peu pas autorisé. Et là, Machopper. Et je l'ai pas ce Machopper, donc je me dis, putain il me le faut. Donc je commence à, là j'appuie, bon je le loupe. Parce que bon au boulot, voilà, je faisais ça discretos, je pouvais pas. Non, c'est pas que je l'ai loupé, c'est le Rhinophéros, parce qu'après j'ai eu un Rhinophéros que j'ai loupé. Non, le Machopper, je lance mon Hyper Ball, le jeu plante. Et les trois quarts du temps, quand le jeu plante à la capture, quand je relance, j'ai le Pokémon. Et là, visiblement, ça a pas fait ça. Donc j'ai lancé, comme un couillon, j'ai relancé l'application, j'ai regardé et j'avais cuté le Machopper. Impossible d'en mettre la main dessus. Donc je suis en mode déception. Mon application rebug. Donc je relance l'application et quand je relance Pokémon Go, là ça pop, Rhinophéros. Je suis un fou. Je lance ma petite attaque. Donc je suis un fou, je commence à le balancer. Il a pas voulu rentrer, il était un peu trop fort pour moi et du coup il s'est enfui. Double frustration. Voilà, très très frustré. Surtout ma Machopper, je suis un peu dégoûté. A chaque fois qu'il pop, je ne suis pas là. L'autre coup, voilà, j'ai des potes, ils l'ont chopé dans un cimetière. Bon, déjà, c'est pas super d'aller chasser dans les cimetières. Dans un cimetière, la nuit, 3h du matin, j'étais pas là. Donc, dégoûté. Mais ça va encore, je suis dans une ville pourrie. Mais Pokémon Go est vachement, vachement implanté, mais vraiment beaucoup. Je suis dans la team bleue, bien sûr. La team bleue, elle marche du feu de dieu. C'est très convivial, franchement, c'est vraiment super. Je suis très content de ce jeu. Il y a sûrement des gens qui abusent, hein, puis il y a des gens cons. Les mecs qui se font écraser en bagnole, voilà, ils ont qu'à un peu regarder devant eux, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même de gros points positifs à faire sortir les gens, à les faire parler entre eux, c'est cool. Et c'est un antisocial qui parle, donc il faut mesurer ses propos. Bon, tu nous fais quoi, gros, là? C'est un bon pourri, Articodin. Bon, s'il arrive à sortir le vent glaçant, par contre, il va arriver à le sortir, c'est sûr. Ça va faire mal. Ça serait bien de gagner au moins un tour encore. Au pire, j'enverrai Machoke au sacrifice. Parce qu'une fois que j'ai la déchirure massive, c'est bon. Avec un bandeau et les énergies, là, je suis bien. J'aimerais quand même lui faire sortir son Articodin avant. Ouais, je sais pas. Moi, je le fais évoluer simplement pour gagner un tour, quoi. Il y a une multitude, enfin je repense à ça, mais il y a une multitude de cartes Pokémon, mais vraiment hein, des centaines. Et du coup on les connaît pas toutes, hein, des fois on se souvient plus trop des attaques, des talents. Des fois les illustrations changent, on voit le Pokémon, on croit penser que c'est telle carte, parce que bon les cartes, certaines cartes ressortent tout le temps. Donc on se dit tiens c'est celle-là, puis en fait non. C'est comme moi j'ai joué sur un deck, au début je m'étais trompé de Strassi. Voilà, donc j'ai fait le deck à l'arrache, j'ai vu Strassi avec talent,
bam, je l'ai blindé dans le deck et c'était pas le bon. C'est pas du tout le talent qui bloquait les EX, donc je me suis fait baiser. Et là c'est pareil. Articodin, il y en a 3 ou 4 différents qui sont utilisés. Donc à chaque fois je me refais un petit check d'attaque, hein. Ça fait pas de mal. Il a réussi à popper un Léviator. Mais bon, il a aucune carte, donc avant qu'il le charge, on est bien. Et je repense là, parce que du coup je vois que le fond du tapis est bleu, donc je repense à la team bleue. En plus je vois Articodin, tout ça. Ça me fait repenser à Pokémon Go. Si vous avez, si vous voulez voir quelque chose de particulier sur Pokémon Go, vu que je veux faire des vidéos Pokémon Go, quelque chose que vous n'avez pas vu sur d'autres chaînes et que vous aimeriez voir, voilà, balancez-moi. Moi j'écoute, je lis tous vos commentaires, j'écoute toutes vos suggestions et je m'en inspire tout le temps. Donc c'est le moment, voilà, si vous avez envie de vous exprimer, balancez les commentaires. Si vous voulez parler un petit peu aussi de Pokémon Go, voilà. Quel team, quel Pokémon de fou vous avez, quel Pokémon vous avez eu dans des œufs. Ce matin j'ai fait éclore 2 œufs 10, un petit Liputu et un petit Magma. Et c'est marrant parce que je mets à peu près une demi-heure à pied pour aller au boulot, parce que j'aime bien marcher, voilà, j'aime bien marcher. Et depuis que j'ai Pokémon Go, bah c'est plus 45 minutes, 1 heure, parce qu'en fait, sur mon chemin, j'ai des spots, mais voilà, je fais quelques petits détours avant d'aller au boulot et en revenant du boulot pour récupérer 5-6 spots à droite à gauche, parce que je suis souvent à court de Pokéball comme tout le monde. Et donc c'est marrant, voilà, ça me fait marcher quand même vachement plus par jour. Et ouais, c'est clair que ça fait du bien aux gens de marcher. Voilà, il fait beau, hein, je sais pas ce que quand ce sera l'hiver et qu'il y aura de la neige partout. Il fera moins 10, je sais pas si tout le monde sera autant dehors, mais à voir. Bon, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça sera que des énergies de base. Au plus, je vais le laisser crever, mais je vais quand même aller récup... Avec ma belle secrète, je vais quand même aller récup ma petite énergie. Comme ça, je suis OP quoi qu'il arrive. L'idéal, ce serait vraiment de choper une dernière énergie combat spéciale. Comment ils appellent ça? Des énergies renforcées. Et alors là j'ai un monstre. Lui au pied il me fait 100 dégâts, j'encaisse. Lui il a aucune énergie donc il va pas me faire de dégâts. Il y a même de grandes chances que dès que je sorte le Groudon il abandonne. Bon, c'est pas grave. On va quand même y aller. Ça veut dire que là au prochain tour je bute n'importe lequel de ces Pokémon. Après voilà, je ne crie pas victoire trop tôt parce que ça arrive souvent que je m'enjaille un peu et puis qu'au final je me fasse humilier. 3 énergies, ok. Et il va tout jouer sur le Léviator. Parce que moi avec ça il peut quand même... Ah, voilà. Mais je sais plus, je crois qu'il y a un Articodin. Je crois que c'est un Articodin qui permet de... carrément d'attacher des énergies à des Pokémon. Ça c'est... avec un Léviator c'est chaud. Ah c'est Loclas je crois qui fait ça. Ouais c'est ça, une pile de défauts au Pokémon de banc. Ça, je suis tombé une fois sur un gars qui avait, il jouait que sur ça, Loclas et des hydroqueux de Léviator. Et bah ça picote hein. Oh, il fait quoi il m'a supre. Allez gros. Donc voilà, je vous parlais des Rhinastock, j'ai les deux là dans ma main. J'ai un Rhinastock Alphard là. Qui est franchement super. En plus bon il est censé briller je pense.
Donc en vrai la carte elle doit être vraiment super. Et pareil, j'avais jamais fait gaffe, barrière oméga. Ok, chaque fois qu'il y a une carte dresseur, on évite les effets. Ça me va. Oh, comment il m'a fumé lui. Vous voyez, je crie victoire trop tôt, et il m'a fumé. Ah bah oui, moi je suis con parce que... Je papote, mais voilà, Articodin il m'a... Articodin m'avait quand même bien entamé. Il m'avait entamé avec son attaque. Bon voilà, le misplay de fou. De toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, de toute façon. Il a beaucoup trop de retraite. Donc ouais. Bon, bah c'est pas grave. Par contre, joue Coco, hein, parce que... Là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais je vais même faire rien du tout. Oh, il a bien joué parce que je vais le féliciter un petit coup. Des fois faut être patient, c'est... On se fait enfiler tout le long de la partie, puis les... ça se joue sur les deux derniers tours. Là j'aurais dû me méfier, il a un... Il a des lunettes, faut se méfier des gens qu'aux lunettes. Les lunettes, les lunettes. Allez, dépêche-toi. Donc ouais, alors Ina stocke Alpharte, hein, qui a permis de cacher la misère, la tristesse de la mort de mon Groudon. Et puis voilà, Ina stocke Reverse, que j'aime bien aussi. Bon bah voilà, on s'est fait défoncer. Non mais en... Ouais, faut que je me dépêche de finir ce truc. N'empêche que ce Léviator il cause quand même. Il est dans tous les decks et il fait mal à chaque fois. Bon bah écoutez, c'était pas joyeux, mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Des fois on gagne, des fois on perd. Voilà, moi je perds, c'est comme ça. Le deck est pas trop mal, hein. Je vous le remontre un petit coup. Mais voilà, il est juste à l'arrache. Il manque quelques cartes et puis j'ai pas trop travaillé. Je l'ai pas vraiment trop travaillé. Donc là je vous le repasse un petit coup là. Et si vous avez des suggestions pour changer ce deck, peut-être que... Qu'est-ce qu'on pourrait changer? J'ai pas été trop à bloc d'énergie, donc ça va. J'ai eu suffisamment de Pokémon de base. J'ai réussi à piocher des EX. Ouais, je sais pas. Donc dites-moi peut-être ce qui pourrait être sympa pour améliorer ce deck. Mais voilà, je le joue quand même de temps en temps, je gagne quand même pas mal avec. Hein. Voilà, c'est la faute à pas de chance. On va partir sur l'ouverture, là on est déjà à presque une demi-heure de vidéo, ça commence à faire long. Donc on va aller s'ouvrir tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que donc j'ai acheté, j'ai niqué un petit peu d'argent là pour juste acheter, je voulais vous montrer, c'était, alors je crois pas que c'est encore en achat, c'était un pack Typhlosion il me semble. Le voilà, je crois que c'était le Typhlosion. Tiens, j'ai pas vu celui-là. Qu'est-ce que c'est? Les griffes du dragon. Ce lot contient des pochettes. Les pochettes sont canons, hein, j'ai peut-être acheté ça. 4 boosters, origine antique. Dark Armin. Ouais, faudrait voir la gueule de la carte, quoi. Bon, bref, j'ai acheté ce pack Typhlosion. Donc voilà, il y avait 2 boosters, je crois, avec. Trois boosters, donc Earth Gold et Soul Silver, hein, or et argent. Enfin, vous voyez quoi, les rééditions. Et donc, c'est trois boosters. Et avec, il y avait une carte Typhlosion que je vais vous montrer de toute façon au point où on en est. On est plus à 5 minutes. Hein. Là voilà, j'avais pas de Typhlosion encore. Elles sont jolies, j'aimais bien les cartes de cette époque là. Bon du coup elles sont jouables qu'en étendu. Et je joue pas vraiment, en étendu en... Les anciennes cartes quoi. Bref, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est des boosters. Donc du coup j'ai 2 boosters, j'avais l'impression que j'en avais 3.
Je crois que c'était marqué 3, hein, c'est quoi ce délire? Bon bref, hein, je sais pas ce qui s'est passé. En plus, ils sont non échangeables, donc j'ai pas pu les changer. C'est un peu lent là, parce que c'est des cartes que j'ai jamais eues, donc les illustrations doivent un peu galérer à apparaître. Allez bébé. Bon, ce fut hyper long, mais mon booster est enfin disponible. Alors j'espère que le deuxième ne sera pas dans le même genre parce que... Ouais, là j'ai cut, mais c'est bien passé presque 10 minutes quand même. Hein. Alors on a des cartes toutes mignonnes. Un gros tir. Un Zekrom, ok. Super. J'ai aussi créé un petit deck foudre pour les... Les machins dresseurs, là, les défis du dresseur. Il est pas super super. Il est pas super super, mais bon, voilà, on fait avec. C'est juste histoire de faire du dégât. Bon, voilà, le booster est prêt, mais dès... encore 5 minutes, hein. T'as la vache. C'est honteux. Bon, j'ai usé Chrome. Est-ce que je vais avoir Reshiram? Pot, pot, pot. Le professeur défausse une main. Ok, bon. Un Zeblitz, ok. En reverse, du coup. Mushan. Oh là là, mais j'ai vraiment des pioches moisies. Oh là là. On va commencer par les coffres, là. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce que je récupère tout au long de la frise. On a un Linéon. Ok. Chaque fois, j'oublie de mettre en ouvrir un autre. Alors là on a un Vanchitrouille, ok. Cool. Ah là 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 là. Ok, encore, bon voilà. Et là j'ai un coffre holo. Donc là on va espérer une belle holo. Oh yeah. Là, alors ça se voit pas, mais je suis très content. Très content parce qu'en fait, mon deck, je vous parlais à l'instant du deck foudre, et en fait, c'est pas un deck 100% foudre, il est foudre dragon, basé sur le set de Dracolos qui utilise foudre et plante. Donc, dans mon deck, c'est foudre et plante, voilà, pour essayer de sortir le Dracolos. Et j'avais un bon Dracolos, mais pas l'IX, et du coup, je suis hyper, hyper content. Alors, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main, sur votre banc, vous pouvez déplacer des énergies de base attachées à vos Pokémon vers ce Pokémon. Dans ce cas, échangez ce Pokémon avec votre Pokémon actif. Alors là, c'est le truc. Le gars, tu l'as de ta main. Tu le mets sur le banc. Il récupère toutes les énergies, donc il se charge. Ok. Et tout de suite, il va en Pokémon actif. Le gars, comme ça. Et il te défonce. Et voilà. Et je suis... Ça me rappelle... Voilà, je me suis fait fumer par un gars qui avait ça. Et c'est en le voyant... que j'ai voulu faire ce deck basé sur Dracolos. J'ai même d'ailleurs acheté un deck exprès. Je vais vous le montrer là, on a 3 minutes. Alors maintenant on va ouvrir quoi? On va ouvrir Étincelle. Bon, le fameux Dracarmin, pas fan. Le problème des decks dragon, c'est quoi là, ils ont toujours double type. On peut pas faire un deck 100% dragon. Enfin si, je pense qu'on peut. Oh la vache, mais c'est la folie d'IX là. Et ben franchement super, encore un IX, un Kangourex, super. La pioche. En plus j'en ai tué un comme ça tout à l'heure. Super. Je récupère encore de ça. Bon, je commence à en avoir une chier. Dans les decks feu, c'est pas mal. De toute façon, on va passer 4, hein, vous savez que voilà, on a droit à 4 exemplaires d'une carte. Allez. Bon, le Suicune.
Alors là, c'est collection, j'ai tout à force donc. Allez, XY de base. J'aimais beaucoup, hein, je me souviens, c'est le, comme je vous ai dit, c'est la note que je me suis remis dans les cartes. Le Starry. J'ai un Starry là sur Pokémon Go là, dans mon appart, sur le radar, mais j'arrive pas à le choper. Un Rhinophéros. Je ne l'avais pas, c'est cool. Le Cellroc, je l'avais pas non plus. Ouais, franchement, je pense qu'il y a moyen de d'améliorer mon Haroussil. En plus, je compte bien, je crois que j'en avais qu'un. Donc, c'est cool. Je suis pas mécontent de l'ouverture pour l'instant. Hein. Je suis vraiment. Allez, est-ce que ça sera encore le booster de la chance? Oh, le gros Ray, je m'en fous. Solarok. Mais c'est dingue parce que Solarok, Solarok, je les avais pas. Et c'est pas trop mal hein, comme carte. Et l'Arbok. Alors, au passage, la carte est quand même magnifique. Direct toxique. Je pense que je vais me faire un deck poison. Plus, ouais. Je vais faire ça. Bon voilà, on a déjà une bonne vidéo. Je vous montre juste en vitesse quand même le deck dont je vous parlais. Je l'ai acheté en fait, voilà, pour pouvoir avoir une base de deck dragon. J'ai acheté celui là, puisque j'ai fait un tournoi une fois avec des decks de base. Donc, moi j'avais un deck, je crois que j'avais... voilà, un deck tout pourri, je crois qu'il est même pas dedans. Un des decks du début, quoi. Et le gars, il est arrivé avec ça. Et j'avais jamais vu qu'on pouvait acheter autant de decks que ça. Et ce deck, eh ben, il est excellent. Mais vraiment excellent. Puisqu'il a ça. Ce petit set Dracolosse qui est super. Et surtout, il a aussi l'énergie... je sais pas comment ils appellent, là, la double énergie dragon. J'en ai qu'une. Mais elle est franchement super. Elle s'attache qu'au type dragon, mais elle prend deux énergies d'un coup et des types au pif. Vu que les dragons ont toujours des types un peu à la con. Et bah c'est cool. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, ça fait déjà une très grosse vidéo. Donc ce que je fais, c'est que moi je vais vous dire à la prochaine. Vous oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, pardon, vous mettez le petit pouce, vous lâchez des commentaires sur ce que vous voulez voir, ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Si vous jouez à ça, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je serais vraiment très content de faire des vidéos avec vous. Parce que j'en ai un peu marre de me faire fumer par Brandy Bloom. Et puis donc on se dit à un prochain épisode qui je pense sera sur mon deck Ténèbres. Il y a de grandes chances que ce soit sur le deck Ténèbres. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, musclez-vous bien. C'était ma Cogneur Minou. Bye bye!